Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer sur Spider-Man. La semaine dernière, j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais malade. J'ai pas fait de vidéo parce que j'étais enrhumé de ouf. D'ailleurs, j'ai quelques résidus, enfin bref. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man. La dernière fois, on s'était arrêté. Bah, justement, on devait terminer le Mad Star. Et en fait, battre Octopus, en fait. Hein. Et donc là, on va faire pour cet épisode-là. Ça sera la fin de l'histoire. En tout cas, ça sera la fin de du Spider-Man, enfin pas la fin complète du Spider-Man, juste une base histoire. Et j'avoue, du Spider-Man, vous en avez bouffé pendant pas mal de temps. Et puis, je pense que je ferai aussi une découverte par rapport au nouveau jeu Spider-Man 2 qui était sorti sur PlayStation 5. Parce que de base, c'est pour ça que je faisais Spider-Man. Je faisais à peu près une rétrospective du jeu Spider-Man. Et après, je ferai une découverte sur Spider-Man 2. Enfin, bon, bref, assez blablaté. Et on y va pour terminer l'histoire de Spider-Man, enfin du jeu Spider-Man. Assez blablaté, c'est parti. Fait un miracle, docteur. Et il est toujours avec son Et maintenant, costume je de dois le base détruire. dans la cinématique. Avec une de mes petites créations. Ouh, joli. Joli, joli, joli. J'adore ce nouveau costume. Ce qui permet de le débloquer. Oh, le voilà. Octopus qui avait capturé Osborne. Une fois de plus, nous avons des images du maire Osborne en direct, retenu en otage sur le toit de la tour Osborne. Tu veux que je te supplie? C'est hors de question! Le monde saura la vérité. Avant qu'on ne ramasse tes restes sur le trottoir. Dis-leur ce que tu as fait. Jamais. Toute ta vie repose sur des mensonges. Des mensonges. Tu as volé ma société, mes idées. Dis-leur la vérité. La vérité. D'accord. La vérité, c'est que depuis que tu ne travailles plus pour moi, tu ne vaux plus rien. La vérité, c'est que tu n'as jamais accepté que je sois meilleur que toi. Tu es minable, Otto. Et ça ne changera jamais. Et le voilà. J'avoue, il claque dans son nouveau costume.
sérum. Otto, votre but a toujours été d'aider les autres. S'il vous plaît. Tu te trompes d'adversaire. Mais c'est ton choix. Yeah. On a pas de temps à perdre, s'il vous plaît. Je rendrai l'antisérum quand Osborn aura payé pour ses crimes. Quand Osborn aura payé, ouais, ouais. Il en veut à Osborn. Ouais. Hop. Donnez-moi le sérum. Allez. Oh là là. Vous avez fait assez de dégâts pour ruiner Osborn. Non. Il finit toujours par... Je veux qu'il perde tout ce qu'il a. Hop là. Allez. Ouf. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de monter ma vie. Je pense que... Je vois que tu as un nouveau costume. Ça ne t'aidera pas. Je connais vos points faibles. Je n'ai aucun point faible. Ouah. Hop là. Oh. Tu m'as fait faire trop longtemps. Hop là. Ouf. Et là, il rigole pas. Hein. Allez, hop. Troisième fois. Attends, je me remonte un petit peu la vie parce qu'il m'a bien... Il m'a bien fait mal. Oula. Non. Il va bientôt mal. Allez. Oui, j'ai failli me le prendre dans la tête. Combien Osborn vous paye pour le protéger? Je ne le protège pas! J'essaie juste de sauver la ville! Aïe 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 aïe. Donnez-moi le sérum, et je vous promets que Osborn sera jugé. Mortel, comme pour Osborn, rien que des mensonges. Ouf. Ah, je suis bientôt mort. Dites-moi. Ah, ça suffit. Voilà. Ne tombe pas. Qu'est-ce que tu... Oh!
Je suis tellement déçu. Parker. Eh, oui, c'est ta vierge. Il le savait que c'était Peter Parker. Vous le saviez ? J'ai essayé de te prévenir, Peter. Mais tu ne m'as pas écouté. Vous le saviez ? Je te laisserai pas gagner. C'est bien trop important pour moi ! Ça l'est encore plus pour moi ! Encore plus ! Allez, on va le frapper jusqu'au bout. Il est coriace, hein. Non. Hop là. Et ses tentacules. Cet homme n'est plus. Tu ne peux pas me sauver, Peter. Dans ce cas, vous devrez vous sauver tout seul. Vous étiez mon héros. Eh ben dis donc, c'est pas fini. Voilà, c'est la fin. Tu as l'air fatigué, Parker. Pas fatigué. Juste meurtri. Changer le monde, tu dois être un homme capable de prendre les décisions les plus difficiles. Je suis entièrement d'accord. Allez, cette partie. Je crois qu'on fait une action, une fin, là. Je sais plus. Il est mal au point. C'est le cas de le dire. Peter, tu étais un fils pour moi. J'aurais dû savoir que tu me trahirais. Exactement comme tous les autres. Trahir ? Trahir ? Je vous admirais ! Votre esprit, votre idéal, votre envie d'aider les autres, votre détermination ! C'est parce que les gens comme nous ont le devoir,
la responsabilité de mettre leur talent au service d'autrui, même s'ils ne l'apprécient pas. Nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour ceux qui nous sont inférieurs, même quand ils refusent de comprendre. Non, c'est faux! Vous étiez tout ce que je rêvais d'être! Et vous avez tout gâché! Oui, c'est vrai. Tu as raison, Peter. Ah, je le vois enfin. L'interface neurale a changé mon esprit. Mais je peux y remédier. Nous pouvons y remédier. Ensemble. Il faut que tu m'aides. Je vous trouverai de l'aide. Parmi les meilleurs médecins. Non ! S'ils me mettent en prison, ils prendront mes bras ! Ah, je serai piégé dans ce corps inutile ! Je t'en prie, Peter. Ce n'était pas moi. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu me l'as promis. Je te souviens. Et en échange, je peux te jurer que ton petit secret restera entre nous. Faites ce qui vous semble juste. C'est la seule chose à faire. Peter ? Même quand ça nous fait du mal. Peter, où est-ce que tu vas ? Peter ! Peter ! Et voilà. Il a joué avec le vœu, hein, aussi, hein. Il est viable. Mais il nous faut tout l'échantillon pour produire plus de doses. Est-ce que ce sera long ? Quelques heures, une journée. Et si on soignait quelqu'un maintenant ? Il ne resterait pas assez pour les autres. Je vous laisse un instant. Alors, est-ce que lui, il sait que c'est Peter Parker ? Je sais plus, en fait. Vous allez guérir, madame. J'ai apporté l'antidote. Enlève ce masque. Je veux voir mon neveu. Depuis longtemps déjà. Je voulais pas que tu sois inquiète. Je l'ai été. Mais je suis tellement fière de toi. Et Ben l'aurait été aussi. Tous ces gens que tu as sauvés. Je sais pas quoi faire. Si, tu le sais. Préparez vos mouchoirs. Ouais, voilà, elle est morte.
constante, mais est décédée. Et lui, il finit en tôle. Et il avait tout au départ, il a tout perdu. Trois mois plus tard. Alors? Salut, Mary Jane Watson, rédactrice adjointe. Hey, bravo! Merci. Je savais que tu y arriverais. Et toi alors, t'as trouvé un job? Ah, non, mais... Je suis à vous tout de suite, merci. J'envisage sérieusement de changer de branche. Ouais, je crois que je vais devenir cuisinier. Désolée, c'est que... tu es un scientifique, et tu es doué. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé a créé un monstre à huit pattes qui a failli détruire la ville, alors... Ouais. Et puis, ton poulet au curry est digne d'un restaurant. C'est clair. Et je travaille encore mes boulettes. Tu vas camper? Ah, non, mon nouvel appart sera pas prêt avant une semaine, alors je vais squatter chez Miles quelques nuits. Ah. Sinon... Tu peux aussi dormir chez moi. Enfin, si tu veux. Non, enfin je veux dire, oui, parce que... Je dis pas que j'en ai pas envie, hein. En fait je trouverais même ça super, mais... Tu veux bien? J'en ai toujours eu envie. Moi aussi. Et voilà, finish. Bon, toujours, hein, toujours si bien de se replonger dans le jeu Spider-Man. Oui, comme je voulais faire le jeu Spider-Man, parce que de base, je voulais faire ce jeu parce qu'il y avait le prochain Spider-Man qui sortait, Spider-Man 2. C'est pour ça que je m'étais attaqué au premier, en fait, pour avoir la continuité. Un spécial Spider-Man quoi. Et je pense pas que je ferai le spin-off entre celui-ci et Spider-Man 2 avec Miles Morales. Je pense que je vais m'attaquer après directement à Spider-Man 2. Je pense que je sais pas si je ferai la série complète sur Spider-Man 2. Je sais pas, je réfléchis encore si je fais juste une simple vidéo découverte du prochain Spider-Man 2 qui est sorti il y a très peu de temps, ou si je fais une série complète de vidéos dessus. Je verrai après, je verrai en suivant si j'ai des commentaires, si vous voulez que je fasse la suite, sinon ça sera peut-être une simple découverte du prochain Spider-Man. En tout cas, toujours aussi bien de se replonger dans ce jeu, toujours aussi bien. Alors, est-ce que, si je me rappelle bien, ouais, il y a la petite scène de post-crédit à la fin de ce jeu où on voit le passage de relais entre Peter Parker et Miles Morales. Est-ce que, souvenez-vous, dans celui-là, Miles Morales, il se fait piquer par une araignée, donc, et il devient l'autre Spider-Man, le Spider-Man en noir. Donc, à mon avis,
Il y aura la petite scène post-créditée à la fin. Alors est-ce que je... Ouais, mais si je passe le générique, est-ce qu'il va... Il va supprimer la partie? Je sais pas encore. Non, je peux pas passer. Quoi. J'ai appuyé, je peux pas passer. Je suis obligé d'attendre. En tout cas, ouais, voilà. Bon, après, faut aimer Spider-Man. Hein. Moi, j'aime bien Spider-Man, donc y a pas de souci là-dessus. Et c'est l'un de mes héros préférés, Peter Parker. Enfin, Spider-Man. Faut aimer le jeu. Et faut aimer la licence. Voilà, voilà. Bon, je peux pas passer, ça, c'est par contre. On peut pas passer. Ah non, ça c'est pause. Je pensais que ça, qu'on peut passer. Bon. Est-ce qu'il y a une petite scène de post-crédit? Je sais pas. On verra. En tout cas, dites-moi en commentaire si cette petite série sur Spider-Man vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah voilà, Marvel, Spider-Man. Et oui, une petite scène. Mais c'est peut-être ta façon de lui demander. Je crois que je suis trop nerveux. Bon, où est-ce que tu veux qu'on mette ça? Ce serait très bien ici. Ok. Peter, ouais. Je voudrais te parler d'un truc que je peux pas dire à ma mère. Je t'écoute. En fait, il m'arrive des trucs bizarres. Genre physiquement. Ah. Ah. Oui. Eh bien, tu sais, tu arrives à un âge où ton corps commence à changer. Et donc, tu as dû remarquer que... Eh bien, par moi, tu... Pas ça. Je crois qu'il vaut mieux que je te montre. Ouais, je vais te montrer. Non. Tu trouves pas ça bizarre? Et tout ça. Et voilà. Alors on peut passer. Et voilà les amis. Prochain Spider-Man, ce sera Spider-Man 2 direct comme je vous ai dit. Je ferai pas Miles Morales ou alors peut-être une vidéo par-ci par-là. Parce que je pense que bon, maintenant vous connaissez tous hein, avec les films et les jeux vidéo qu'il y a un Spider-Man noir, c'est pas nouveau quoi. Ou alors le mec il connaît pas Spider-Man et il était dans un igloo toute sa vie. Non, je plaisante, mais voilà quoi. Donc je passerai, je pense directement à Spider-Man 2 et je ferai pas les spin-off. Peut-être plus tard, je ferai Spider-Man Miles Morales. Peut-être, je sais pas encore, je vais réfléchir. En tout cas, dites-moi, je vais passer le générique en attendant. Ah, parce que bon, c'est générique de fin avec tous ceux qui ont fait le jeu, évidemment. En tout cas, dites-moi... Ah bah tiens, encore une scène. C'est pas terminé, les enfants. Qui sera évidemment le prochain quoi, Spider-Man. On y était presque. Ça vous tease un peu, bon, vous le savez déjà, mais je n'abandonne pas. Je trouverai un remède. Je te le jure. Je t'aime. Harry Osborn.
Et voilà. Encore un générique, je présume, je pense. Non. Voilà, super Marva, bravo, vous avez terminé l'histoire principale, mais l'aventure continue. Vous pouvez désormais modifier l'heure de la journée dans les stations de recherche ou recommencer une nouvelle fois l'aventure en difficulté ultime. Bonne chance. Et bah voilà, les amis, on a terminé le mode histoire. Bon, maintenant il reste encore quelques petits trucs à faire. Hein. Bon, j'ai débloqué les tenues. On va voir vite fait ce que j'ai débloqué comme tenue. Voilà, la tenue que j'ai débloquée, c'est celle-ci, hein, qu'on voit à la fin du jeu. Ensuite, voilà. Bon, il y a encore plein de tenues. J'ai encore pas mal de choses à débloquer parce que j'ai pas terminé les trucs secondaires comme vous voyez là. Il reste encore plein de choses. Voilà, mais j'ai terminé la mission principale. En tout cas, dites-moi si dans les commentaires ça vous a plu. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et puis surtout à vous abonner. C'est important. Parce que je le redis encore une fois, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. Donc, un petit like, petite subscription. Petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Et puis, profitez-en aussi pour passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Parce que là, bon, c'est le réveillon de Noël Comment va votre mère? Très bien. Aujourd'hui. Elle me Donc, demande à passez de nouveau bonnes d'écrire un fêtes. petit Quant journal. à moi, je vous Alors, dis vous allez prendre des vacances du coup maintenant? à une prochaine Sûrement pour pas, une ce n'est pas le prochaine moment. vidéo. L'apocalypse n'a peut-être pas eu Allez, lieu, on va mais on a terminer toute une vie à nettoyer. sur Entre cette les prisonniers vidéo de Riker en en cavale, faisant les un démons ou petit les hommes saut. de fisc qui tentent un retour, on a de Mais quoi faire. évidemment, Ça fait beaucoup de boulot, il y a mais personne on est qui à la parle. hauteur. Bon, c'est la Non, fin. pas vous. Pour On ce va attendre travail, qu'elle mais il se faut finisse. l'inspecteur Speeder. Vous l'avez dit? Et vous avez même fait la voix. Arrêtez, je vais le regretter. Allez, Vous m'aimez termine ton bien, discours là. Je le savais. Ça y est, je regrette. Allez, on a du pain sur la planche. Ah, j'ai hâte. L'inspecteur Speeder survole la ville. Tout est calme, mais le chaos est tapi dans les moindres recoins, prêt à bondir. J'aurais pas dû. Allez, enfin. Allez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un like. Quant à moi, salut! Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bon, décidément. Bon, allez, ça, cette fois, c'est la bonne. Allez, ciao, ciao, les amis.